Coucou mes queens, j'espère que vous allez super bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu, vraiment. Et je le souhaite tout autant pour vous. Alors aujourd'hui, on va directement se lancer dans le vif du sujet. Hein, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Lenée, coach, esthéticienne de formation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes de peau. N'hésitez pas également à vous abonner sur cette chaîne Marie-Lenée, coach. Et sur nos chaînes également, Bell Skin Institute, sur toutes nos pages dont je vous donnerai les identifiants à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement des peaux acnéiques. Hein. Je ne vais pas vous raconter l'histoire d'où viennent les problèmes d'acné et ainsi de suite. Je vous le raconterai ou alors je vous en ferai part dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais simplement vous parler de pourquoi est-ce que quand vous traitez les problèmes d'acné, après l'acné revient, soit après 6 mois ou après 1 an ou même après 1 mois seulement. Hein. Il y a des dames qui m'ont contacté. Ah, oui, Marie-Lune, j'ai déjà traité mon problème d'acné, si fatiguée. J'ai fait les vapeurs, j'ai fait les extractions, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et après, ça revient. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez voir, si vous allez dans les marchés, hein, vous allez voir partout. Vous allez remarquer mes queens, si vous vous rendez partout, ou alors si vous contactez certaines personnes sur Internet, on va vous dire, ah oui, j'ai une crème contre l'acné, un crème anti-acné. Je vais vous dire aujourd'hui, l'acné ne se soigne pas avec une crème. L'acné se soigne avec un ensemble de produits, dont il y a même les antibiotiques à l'intérieur. Si vous soignez votre acné avec une crème quelconque, ah oui, j'applique la crème anti-acné et puis l'acné est parti. Non, non, mes queens. L'acné se soigne à long terme de manière définitive avec un ensemble de produits. C'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui parce que je sais de quoi je parle. Ok? Le problème d'acné, si vous le soignez correctement, comme je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, vous n'entendrez plus jamais parler du problème d'acné dans votre vie. Je vais vous parler également des trous d'acné dans la peau parce qu'il y a des personnes qui souffrent d'acné assez longtemps jusqu'à ce que les trous même se forment dans la peau, les trous d'acné. J'ai également un savon pour ça. Et ce savon, il a double action parce qu'en même temps, il est un anti-âge. Donc, on se lance rapidement. Je vais simplement vous montrer un traitement efficace du traitement d'acné définitif et à long terme pour des personnes qui voudraient tester ce que je suis en train de dire. C'est rien, c'est pas cher. N'hésitez pas simplement à me contacter via le numéro WhatsApp qui s'affiche sous cette barre d'écran ou alors vous trouverez mon numéro sur toutes mes pages dont je vous donnerai à la fin de la vidéo. Bien, si jamais la queen qui me regarde, tu souffres d'un problème d'acné qui vient de commencer ou alors tu as soigné et puis c'est revenu, ok? Alors, approche-toi simplement auprès de Marie-Lenée, coach que je suis et procure-toi des éléments suivants et ensuite tu feras le traitement comme moi je te dirai quand tu vas me contacter. C'est très simple, ok? Si tu as simplement un problème d'acné, tu n'as pas de trou d'acné dans la peau, alors tu vas devoir te procurer de ce savon-ci, savon antiseptique. C'est un savon qui va t'aider à nettoyer ta peau dans le traitement de l'acné en la protégeant. C'est pour ça que vous entendez son nom antiseptique. Il sert en fait d'entrée en matière du traitement d'acné. Quand je vous dis, il n'y a pas simplement une crème contre l'acné, c'est tout un processus, c'est tout un traitement pour être sûr que à long terme vous n'entendrez plus jamais parler des problèmes d'acné dans votre vie. Donc il sert d'ouverture. C'est avec lui que vous allez toujours laver votre visage chaque fois que vous voulez faire le traitement de l'acné. Il est antiseptique. C'est un mélange de produits de mon savoir et également des produits pharmaceutiques. Comme je le disais, c'est avec lui que vous allez tous les jours laver votre visage. Il sert d'entrée en matière, il va servir également de nettoyant. Bref, c'est avec lui que à chaque fois vous allez ouvrir votre traitement. Si vous avez les trous d'acné sur le visage en plus de l'acné, alors il vous faudra en plus ce deuxième savon. Vous pourrez lire là-dessus, acnéique. Hein, ce savon a une double action. En même temps, c'est un savon anti-âge. Vous comprenez ce que j'appelle anti-âge, non? Voilà. Et en même temps, il permet de traiter les trous d'acné dans le visage. C'est très important. Bien, quand vous avez ces éléments, le savon, ensuite, vous aurez besoin d'un soin gommage. Le gommage, comme je disais toujours dans mes vidéos, hein, comme je le dis toujours d'ailleurs, est très important. Autant pour soigner une peau qu'autant pour l'entretenir. Si vous ne faites pas des gommages, à long terme, vous aurez des problèmes. Et puis, le gommage ne se fait pas tous les jours. Hein. Donc, pour une personne qui a un problème d'acné, intervient 2 cas de figure. Vous gommez votre peau avec soit le gommage à la papaye de Marie-Lenée Coach que voici. Il se présente sous cette forme. J'en ai 2 types de gommage. Ou alors, vous prenez celui-ci. Ok? Alors, celui-ci, c'est pour celle qui veut traiter son acné sans éclaircir sa peau. Ok? Donc, voilà. Quand je dis éclaircir, c'est donner un grand coup d'éclat. Naturellement, en traitant l'acné, vous aurez un coup d'éclat. Hein? Votre peau va un peu changer. C'est vrai que quand vous traitez l'acné, après, il y a les taches. Je vais vous dire ce que vous allez appliquer pour les taches après. Ça, c'est automatique et vous ne pouvez rien contre ça. Si vous avez les boutons, hein? Pas l'acné, mais les boutons, vous allez traiter, mais ça va laisser les taches et il faut traiter aussi les taches. Vous avez l'acné,
Vous allez traiter, ça va laisser les taches, il faut aussi traiter les taches. C'est comme ça, on ne peut rien. Donc, vous avez la possibilité de prendre également ce gommage. Deuxième type de gommage de papa et de Marie Léonie Coach. Les deux sont efficaces et super efficaces. Maintenant, intervient dans la dame qui veut un tout petit peu éclaircir. Dans ce cas, elle va prendre cette poudre, cette poudre éclaircissante qu'elle va mélanger à ce gommage. Parce que la poudre ne se mélange pas avec l'autre gommage, mais celui-ci. Donc, ces deux éléments vont intervenir également. Ensuite, quelque chose de fondamental. Je dis bien de fondamental, la lotion acnéique. Il y a tellement de lotions acnéiques sur le marché, mais la mienne là, ça éradique votre acné. Hein? Donc, après le gommage, va intervenir la lotion acnéique que vous allez appliquer. Ma lotion acnéique se présente comme ceci. J'ai simplement pris pour vous montrer et je n'ai pas encore étiqueté. Donc, elle se présente comme ceci. Quand vous allez appliquer la lotion acnéique, écoutez-moi très bien, c'est très important. Vous appliquez votre lotion acnéique. On est d'accord. Ensuite, vous allez laisser 5 minutes. Je dis bien 5 minutes. Et puis, vous allez appliquer votre ampoule acnéique. Combien de personnes font ce genre de traitement pour contre l'acné? Prends simplement la crème, on applique, on dit qu'on soigne l'acné. Non, l'acné, c'est un processus de traitement. Ok, donc vous allez appliquer l'ampoule acnéique. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer les différents types d'ampoules que j'ai pour des personnes qui ont besoin selon leur besoin naturellement. Voilà, vous appliquez l'ampoule acnéique, très 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 important. Quand vous avez appliqué, vous allez laisser même 5 minutes sécher comme ça là. Et puis vous allez mettre un élément fondamental protecteur, nettoyant. Quand je dis protecteur, ça protège votre peau pendant le traitement. C'est un mélange de produits pharmaceutiques que je fais. Cette crème est magique. Pourquoi? Parce que elle vient restaurer votre épiderme, elle vient protéger votre peau dans le traitement. Elle n'a pas de produits chimiques ou de quoi que ce soit à l'intérieur. Non, c'est un mélange d'enfer. C'est très important pour soigner votre problème d'acné. C'est avec lui que vous allez clôturer votre soin, hein, le matin et le soir pendant un moment. Comme je dis, c'est un produit qui protège votre peau pendant votre traitement. Si vous n'avez pas ce produit et vous voulez traiter votre acné, sachez que vous n'irez nulle part. Prenez autant de crème anti-acné que vous voulez n'importe où là. Votre acné là va revenir. Ok? Voilà. Donc maintenant, à ce niveau-ci, il y a des dames, comme je disais maintenant, qui veulent éclaircir. Parce que naturellement, quand vous allez traiter l'acné, les taches vont rester sur le visage. Alors intervient la crème éclaircissante de Marie Léonie. Crème éclaircissante et uniformisante. Mais elle intervient après, quand vous avez déjà traité votre problème d'acné. Et puis aussi, quand l'acné commence à partir, vous allez arrêter d'appliquer la lotion acnéique. Vous allez arrêter d'appliquer la lotion acnéique. À ce niveau, je vais vous donner un léger détail. Il y a des dames, par exemple, qui me contactent. Quand je regarde leur visage, je leur demande de faire ce que j'appelle la vapeur. La vapeur, je vous dis comment faire. C'est une façon de faire pour procéder à l'extraction des comédons. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont l'acné et les pores sont bouchés par les comédons. Donc, vous avez les comédons à l'intérieur. Il faut extraire. Il y a également un petit pinceau que je vends pour des personnes qui veulent extraire à la maison. Ou bien alors, si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, je vous dis comment faire pour procéder à l'extraction une fois par mois pour ne pas agresser la peau, ok? Parce qu'on fait l'extraction une seule fois par mois, c'est pas tout le temps. Parce que quand vous allez faire, après, la peau va un peu enfler. Dans ce cas, vous calmez avec votre savon antiseptique et votre crème antiseptique pendant une semaine avant de reprendre tout le processus du traitement acnéique. C'est très important. Mais Queen, je vais m'arrêter ici pour ne pas être très long. Je reviendrai ce soir ou alors demain pour vous présenter une petite recette pour nettoyer votre partie intérieure, pour éviter les odeurs, les démangeaisons. Et pour clôturer, comme je vous le promettais, je vous présente quelques petites ampoules. Il y a des personnes parmi vous, hein, les dames à partir de 45 ans qui ont besoin du collagène. À partir de ce moment même, je vais vous présenter, je vais vous parler de quelque chose. De nos jours, la technologie est tellement développée en cosmétique, en institut, que il y a des appareils qui permettent de faire l'échographie de votre visage. C'est-à-dire quoi? Vous y allez, on fait l'échographie de votre visage, on voit déjà comment va ressembler votre visage dans 10 ans, dans 15 ans. Vous voyez comment ça s'est déjà plié, vous voyez vous-même à l'échographie sur la machine. C'est pour ça qu'on recommande, c'est pour ça que moi je recommande à toutes les femmes, à partir déjà de 45 ans, il faut anticiper cela. Forcément, on va vieillir, n'est-ce pas? Ça ne veut pas pourtant dire que même en anticipant, on ne va pas vieillir. Mais la manière, il y a des femmes, quand vous les voyez aujourd'hui, elles sont tellement soignées. La peau est soignée, la peau est liquide. C'est-à-dire, la peau est liftée. On vous demande, ah, la maman, elle a quel âge? Impossible de dire. Pourquoi? Les soins anti-âge sont hyper importants. C'est pour ça que vous devez toujours armer, hein, votre visage du collagène ampoule. La voici, une ampoule au collagène. Vous l'appliquez chaque soir et chaque matin après avoir appliqué votre lotion anti
Âge. Donc, quand vous appliquez votre lotion anti-âge, vous appliquez votre ampoule au collagène. Vous êtes sûr que vous allez protéger votre visage contre le vieillissement prématuré. Je dis bien, c'est pas protéger contre le vieillissement, mais je dis bien prématuré. C'est ça qu'on appelle les soins anti-âge. Ok? À côté maintenant de ça, il y a des filles qui veulent qui prennent les crèmes éclaircissantes chez moi, hein, qui veulent donner un coup d'éclat à leur peau, qui veulent gagner de quelques teintes. Qu'est-ce qu'elles font, hein? Elles prennent l'ampoule éclaircissante. Comme je disais, j'ai plusieurs types d'ampoules. Elles prennent l'ampoule éclaircissante que voici et elles appliquent dans leur lait éclaircissant, hein, ce lait éclaircissant. Elles appliquent et elles peuvent mettre sur le visage ou sur le corps. C'est très différent des tubes que vous achetez partout dans les dehors là chez les gens. Vous mettez dans vos laits et après la peau brûle. Et après ça commence à noircir, la pigmentation, hyperpigmentation, le visage est brûlé. Rien à voir. Rien à voir. D'ailleurs, même ce sont des produits que j'utilise, mais sauf les soins anti-âge. J'utilise pas moi, là, j'utilise l'ampoule éclaircissante. Je suis d'abord très, très brune de nature. Vous pouvez voir mon visage, c'est encore bien propre parce que je fais tous mes soins moi-même avec mon ampoule, mon gommage, hein, à la papaye éclaircissant. Ok, vous voyez, voilà, avec ma poudre que je fais une fois toutes les 3 semaines. Voilà, bon, le savon, je n'utilise pas ce savon, j'utilise mon savon œuf, hein, j'utilise mon savon œuf ou bien mon savon bio carotte. Mon savon citron, j'utilise tous les soirs pour prévenir des éventuels boutons ou bien quelque chose comme ça, parce que c'est très important. Je vous souhaite de passer une excellente journée. N'hésitez pas à me contacter, hein, si vous avez des problèmes de peau. La première chose avant de me contacter, c'est vous abonner d'abord sur cette chaîne. Abonnez-vous, activez toutes les cloches de notification. Ensuite, contactez-moi. Il se peut que vous tombez soit sur une personne de mon équipe ou alors directement sur moi. Cela dépend. Ensuite, vous payez une consultation. Vous allez m'envoyer vos photos sans make-up, sans filtre, sans lumière. Je vais regarder et puis je vais vous dire ce qu'il faut. Mais principalement, si vous avez déjà un problème d'acné, vous ne voulez pas payer la consultation, contactez-moi pour payer les produits que je viens de vous présenter tout de suite dans cette vidéo. Ok? Ce fut un plaisir comme toujours. Hein? Restez scotché. Je suis de nouveau là. On se revoit dans pas longtemps. Prenez grand soin de vous. Bisous. Bisous.